Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. MSC Trading, c'est plus pour moins. Le lait encore. Avec le lait en poudre encore, faites-vous plaisir encore et encore. Et la BNC. Le plan épargne BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité. Bon début de semaine à chacun de vous. Ce matin, on va parler des migrants en situation irrégulière ou, entre guillemets, régulière aux États-Unis. Notre invité, c'est l'avocat Ariol Eugène qui suit de près cette situation et qui, dans le cadre de son travail, intervient parfois pour les Haïtiens en situation irrégulière. C'est un plaisir de vous accueillir, Monsieur Eugène, à cette émission ce matin. Merci de vous mettre disponible pour le public de Métropole. Merci Wendell et merci pour l'invitation. Je dis bonjour et aux téléspectateurs et aux auditeurs de radio et télévision Métropole. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous. Monsieur Eugène, avant même nous d'avoir commencé à parler de questions en globalité, par exemple, déportation de 1 million de gens qui sont concernés par la décision de Donald Trump, et aux dernières nouvelles, moi apprendre que la Cour suprême des États-Unis autorisait Donald Trump pour maintenant fonds Pentagone pour construire murs sous frontière États-Unis. Est-ce que ça veut dire que monsieur que les gains coup des franches pour les faire salver pour commencer effectivement à construire murs ça? Wendell, très belle question. Si qu'on songeait l'année passée et plus spécifiquement en novembre 2018, eh bien, Trump est venu avec une proposition pour construire un mur qui est censé séparer et... Conseil mexicain de États-Unis. Exactement. Et qui, pour lui-même, qui t'a empêché que les migrants aient traversé et demandé asile aux États-Unis. Maintenant, Trump a demandé au Congrès américain et à peu près 2 billions de dollars. Mm-hmm. Et Nancy Pelosi, qui est censée à la tête chambre des députés aux États-Unis, Nancy Pelosi a dit Trump n'est pas bail 5 ans. Maintenant, qui ça Trump a fait? Nous songeons que Trump a campé sous Bitly. Il a dit que si il n'y a pas bail comme ça, eh bien, la shutdown gouvernement américain. Effectivement, le gouvernement américain a fermé, nous songeons ça, en pile tribunal et américain, en tribunal fédéral a fermé, et en pile monde qui travaille pour le gouvernement américain, il n'y a pas de cas trouver travail. Maintenant, démocrate, et plus spécifiquement, Nancy Pelosi a campé sous décision, il n'y a pas de jambes by Trump, 5 gobes. Et Trump, et qui ça que le fait qu'on y a, pour, et c'était clair que l'économie américaine a commencé à impacter. Donc, qui ça Trump fait? Trump qu'on y a l'aller dans l'argent qui est censé et IOMAC, qui est censé là pour et département de la défense, eh bien, il dit que il va prendre en partie dans comme ça pour faire Mulan. Démocratio t'es traduit devant la justice parce que nous connaissons que c'est le Congrès américain qui pour voter et budget qui pour bailler l'argent pour faire souffler. Maintenant, t'es gagné et on bataille au niveau du tribunal et il était allé bien jusqu'à la Cour suprême des États-Unis. La Cour suprême, comme vous l'avez bien dit, descend avec une décision jeudi passé quand elle dit que oui. Et l'inormal, c'est correct que Trump gagne une possibilité pour que Trump soit capable d'utiliser l'argent dans le département Pentagone, dans le département de défense, pour capable faire mieux. Mais son décision qui est extrêmement limitée, parce que nous connaissons que
Pentagone fait partie de département exécutif, en d'autres termes. Ça veut dire que Pentagone a un budget. Et qui est le chef Pentagone, en d'autres termes, c'est Trump, puisque c'est lui-même qui est censé... Commandant-chef. Commandant-chef. Donc, ce n'est pas, pas une surprise. Oui, même penser qu'une décision comme ça, il a prise, c'est... ou encore... ça m'a dit que ça m'était imaginé. J'ai pensé que pour un simple dossier de construire un mur, qui est un bagage hautement discriminatoire, il y a un monde qui a pensé que, en général, Trump t'es qu'à faire ça, t'es qu'à fourrer maintenant l'argent au Pentagone, c'est si le pays était en guerre. Ouais. Est-ce que ça t'a. Le monde qui a observé, t'a dit que, et la Cour suprême, et Donald Trump considéraient migrants illégaux comme des envahisseurs, des mondes qui ont envahi le pays. Il y a un petit peu que nous avons souligné, c'est que c'est au niveau de la composition des juges, au niveau de la Cour suprême des États-Unis. Mm-hmm. Nous connaissons que et longtemps, jusqu'à Obama, où tu as gagné des conservatifs qui étaient en majorité. Mais maintenant, nous connaissons que Trump vient avec deux juges au niveau de la Cour suprême des États-Unis. Donc, ça a changé l'équation. Mm-hmm. En d'autres termes... C'est pas mandat que vous avez gagné, juge la Cour suprême. Vous avez un mandat éternel. Ça veut dire que vous avez appointé et vous avez devant le Sénat américain confirmé. Et une fois que vous avez confirmé, vous là jusqu'à ce que vous mouriez. Vous n'avez pas l'âge pour vous retraiter. Mm-hmm. Donc, et majorité et juge qu'on y a qui au niveau de la Cour suprême des États-Unis, ce sont des gens ultra conservatifs. Ça veut dire que des mondes qui plus ou moins a pensé dans la même ligne avec Trump. Mm-hmm. Et je pense que c'est un gros impact qui gagne qu'on y a, parce que la Cour suprême des États-Unis, c'est l'arbitre final. Ça veut dire que lorsque vous rendez une décision, vous pas aller beaucoup plus haut. Mm-hmm. Maintenant, nous connaissons qu'au niveau de la Cour suprême des États-Unis, il y a 9 juges et qu'on y a ou gain près de 5 juges qu'on y a qui conservatifs avec de chief judge et donc qu'on y a ça permet à ce que ou pral ouais en pile décision qu'on y a pour al censé commencer et bien à descendre et sous point de vue philosophique sous et conservatif yo. Donc mm-hmm. c'est pas étonnant du tout et est-ce que on mur pral résoudre problème aux États-Unis, est-ce que mur ça il pral empêcher les gens de rentrer aux États-Unis? Pas du tout. On va penser ça parce que les migrants sont très créatifs et ont trouvé façon quand même pour y rentrer aux États-Unis. Donc, c'est mieux là, pas vraiment. Et on va pas empêcher les gens de rentrer aux États-Unis. Maintenant, on allait pour l'objectif Trump. L'objectif Trump, c'est à déporter 1 million de monde. C'est ça? Oui, exactement. Qui est-ce qui est concerné par la décision ça? Bon, comme on connaît, Trump censé commencer, et parce qu'il a un mandat de 4 années, donc mandat ça va finir en 2020, et Trump commencer, campagne de réélection. Et il y a une plateforme qu'il utilise pour capable censé commencer et réélection ça, c'est que lui promet que lui va censé déporter près de 1 million et immigrants qui de façon qui pas gagné et des moyens réguliers que ça veut dire monde qui sans papier en d'autres termes monde qui sans papier qui est monde qui est impacté premièrement il faut dire que en pile et confrère avec consoeur nous haïtiens qui vivent dans la diaspora qui fait transfert et chaque jour pour et monde qui vivent ici en Haïti en pile n'ont concerné premièrement en tête de liste c'est monde qui t'a gagné ordre de déportation. En pile haïtien, lorsque ils arrivent aux États-Unis, ils font, ils ont asile politique. Maintenant, ils font asile politique devant un juge. Si le juge n'a pas approuvé asile politique, le juge est rentré, il y a un ordre de déportation. Après que le juge n'a pas rentré ordre de déportation, ça, vous avez 30 jours pour mettre Kassa en appel devant et la cour d'appel de BIA, qui est censé Board of Immigration Appeal, qui est censé chita à Washington. Mm-hmm. Et ou bien 3 juges qui sont là pour reviser Kayo. Donc, si juges ça, on y a font décision, ils pas censé bien approuver appel là. Donc, on y a ordre de déportation que juge entendrait dans le Kamba, ils viennent censé et reinstate. Ça veut dire que ils viennent qu'on y a effectif. Mm-hmm. Maintenant. Donc, ordre de déportation, en simplifiant la question, c'est une décision que un juge qui prend contre un étranger. Oui, contre un migrant. Contre un migrant. Et qui à n'importe quel moment, est capable de déporter. Exactement.
à moins que vous mettez cas en appel. Et pour un pile monde et cap vivre comme ça, quand pile monde il y a 10 ans, 20 ans aux États-Unis avec un ordre de déportation, c'est un mais est-ce coup... que tout le monde sait qu'on a un ordre de déportation? Oh, certainement, il connaît qu'il y a un ordre de déportation, bien que en pile a besoin pas jamais recevoir une lettre de déportation. Pour ça c'est parce que effectivement lorsque monde ça li font asile politique, juge là s'il pas approuvé, le juge là rentre ordre de déportation. Maintenant lorsqu'on décide de mettre cas en appel, ordre de déportation ça suspend. Jusqu'à ce que cour d'appel là, eh bien, li baille en décision finale. Et si cour d'appel là qu'on y a baille en décision, bon, ou gain option capable aller beaucoup plus haut, mais en pile moun après biya yo été comme ça. Donc on y a en pile moun ça qu'on y a un ordre de déportation. Si m capable fonti ouverture, yon a avantage pour moun ki gen ti pièce parce qu'on connaît que et en pile haïtien et frère avec ce nouyo, eh bien après tremblement de terre là, président Barack Obama t'es censé bayo TPS. Et yon nan avantage qui te gen avec TPS là, c'est que même les que moun sa a, li gen yon ordre de déportation, moun sa a te capable voyager. Moun sa a te capable censé quitter États-Unis, rentrer en Haïti, la loi family, la loi frère avec celui. Et moun sa aussi te gen possibilité pour que li ajuste statut li. En d'autres termes, si par exemple moun sa li marié avec un citoyen américain, li madame li ou mari li citoyen américain, si que moun sa te font pétition pour lui, eh bien yon a avantage que ti pièce lan ba ou, mais pour moun qui t'entre illégal avec yon voyage qu'on fait ou rentre aux États-Unis, ça va nous permettre à ce que ou capable ajuster statut aux États-Unis. Mais nous voyons que eh bien et récemment et m'a dit même semaine passée, Trump prend décision pour permettre à ce que moun qui était rentré de façon irrégulière aux États-Unis, moun ça pas capable utiliser statut TPS temps pour ajuster statut aux États-Unis. Oui, mais bon, évidemment ça fait 15 jours depuis que gagné un délai expiré pour commencer ramasser moun et voyer retourner, bien que il y a pile version sous question ça, il y a pile interprétation de décision ça. Il y a moun qui dit que haïtien pas obligé inquiéter de façon démesurée, mais en même temps tout il y a moun qui gagne haïtien qui a vivre là, enfin il y a moun qui dit que c'est précaution pas capon. Maintenant ça qui vient arriver, information qui vient joindre nous fait connait que il y a des haïtiens qui parlent l'église, qui parlent travail, qui parlent l'activité, craignant que si on rencontre avec des officiers immigration, il y a tout prend. Donc ça veut dire qu'il y a un problème dans la question ça. Est-ce que c'est monde qui est-ce que monde qui bénéficie de TPS là, j'en dis là, est-ce que c'est il pas concerné vraiment ou est-ce que c'est monde qui est hors de déportation qui est concerné ou bien est-ce que c'est tout le monde de pouvoir américain ou là-bas ou concerné. Bon, voilà ce qui arrive. C'est que, comme on connaît, statut TPS, c'est un peu mon opportunité pour capable censé, eh bien, ajuster statut aux États-Unis. Maintenant, une fois que mon nan gen moun ki te fon pétition pour lui, même les que gon ordre de déportation sur tête li, li capable faire en motion devant juge KA ou soit devant USCIS, ça dépend de gens que le tente aux États-Unis pour permettre à ce que li capable ajuster statut li. Problème qui vient poser qu'on y a, c'est que en pile dans mon sa qu'on y a, vient pas capable ajuster statut aux États-Unis à cause de décision que Trump te prend. Mais faut me dire et Wendell, situation extrêmement et chaotique qu'on y a pour ça, c'est parce que vraiment il y a ramassé monde, il y a ramassé monde aux États-Unis qu'on y a pour censé capable voyer en Haïti, c'est pas seulement haïtien. De quoi tout ça? Oui, c'est pas seulement haïtien. Décision ça pas concerné haïtien seulement. Il pas concerné haïtien seulement, mais grand pile monde et prison yo et vendredi juste avant que me rentrer, malgré client dans Chrome, prison yo à capacité parce que y a immigration très agressif et c'est pas seulement monde qui gagne ordre de déportation, faut souligner ça. Ou gen moun tout qui est entré avec un visa touriste, un visa américain, mais moun sa yo, eh bien, yo rete plus temps que immigration te ba yo. Par exemple, très souvent, lorsque on moun rentre avec un visa touriste B1, B2, ou al visite aux États-Unis, maximum de temps que immigration ba ou, c'est 6 mois.
Maintenant, grand pile nan moun yo qui était plus que 6 mois. Donc, automatiquement, qui était plus que 6 mois, ou violer, eh bien, conditions de visa touriste B1, B2. Nous voyons que l'immigration est extrêmement agressive qu'on y a, parce que yo connaît côté moun sa arrêté, yo gen adresse et yo cherche yo qu'on y a pour que moun sa yo yo capable de censé déporter yo en Haïti. Donc, je dis en la, si moun nou gen intention à aller aux États-Unis, il faut commencer à réfléchir. Faut réfléchir. Pour qui ça? Parce que il y a pile monde qu'on y a. Et c'est pas nécessairement que monde n'y fait plus que 6 mois. Parce que il y a des conditions côté que monde n'a pas obligé de faire 6 mois. Côté que immigration pour annuler et bien et visa monde. Par exemple, j'ai un client récemment qui rentrait qui fait seulement 4 mois aux États-Unis. Maintenant, il était gagné 6 mois maximum pour le faire. Au cours d'une interview que l'immigration te bali, il m'a dit, bon, vous faites 4 mois aux États-Unis, est-ce comment vous supportez? Est-ce que vous avez un travail? Est-ce que vous avez un mal fonti dégagé? Et mon dit, non, pas de mal travail. Puis, l'officier immigration a commencé à presser mon nom. Et mon sa vient admettre, oui, pas de mal, parce que si vous vivez aux États-Unis pendant 4 mois, à moins que vous avez un monde qui vous supporte, il faut trouver moyen de payer caille ou manger. Et puis, bon, 4 mois de visite aux États-Unis, il faut avoir les ressources nécessaires. Donc, moun sa vin admettre à l'officier immigration, hein. Bon, il n'y a pas qu'on travaille, mais parfois, qu'on a le fonti dégagé, et qu'on a le cueilli poids, qu'on a le fait tel bagay. Automatiquement, que ou admettre fait ça, ou violer conditions de visa ça, et moun sa, yo annule visa ça, on visa de 5 ans, cap fini jusqu'en. En 2024, ils ont annulé visa ça pour ça, c'est parce que mon salité travaille. Donc, c'est parce que est-ce que ils ont annulé visa mon qui seulement aller au-delà de date qu'on a de été. Est-ce que c'est mon ça seulement? Parce que là, on a parlé de mon qui a un visa américain. Donc, sous un visa américain, c'est qu'on entre de façon normale. Ou entre de façon normale. Et qu'on y a mais ces jours-là, ils pas de longue durée, ils de courte durée. De courte durée. Lorsque c'est visa organ. Oui, mais grand pile mon ou bien deux catégories. Grand pile moun qui fait plus que 6 mois. Automatiquement, il faut nous dire très bien, longtemps, c'est beaucoup plus facile. Parce que ce qui se passe, c'est que là, que, si vous rentrez Miami, vous rentrez New York, depuis un avion, vous avez 4 I-94, et puis lors de arriver devant l'inspecteur immigration, vous connaissez exactement le nombre de temps que l'officier immigration a pour être. Ça veut dire que lorsque vous quittez l'aéroport, pas aucune ambiguïté, vous connaissez exactement mes nombres de temps, si c'est 2 mois, si c'est 3 mois. Il faut dire que ce n'est pas seulement, ce n'est pas tous les jours que vous avez 6 mois. Ça dépend de discrétion, officier immigration. Il est capable de trouver que les bons mois, les bons 2 mois. Alors, c'est un nom pour nous rectifier parce qu'il y a pile monde qui automatiquement assume que lorsque vous rentrez aux États-Unis, vous avez 6 mois. Ce n'est pas le cas du tout. Maintenant, pour monde qui fait plus que 6 mois, automatiquement, ou viole les conditions statut de visa touriste là, et moun sa yo, immigration agressivement ap cherche yo pour déporter yo. Ça c'est yon. Ça c'est moun qui fait plus que 6 mois. Maintenant, il y a aussi des conditions côté que moun nan fait moins que 6 mois et moun sa li kapab konn ya un problème avec immigration. Ki moun sa oye? C'est moun qui vini par exemple, et bien qui viole statut. Par exemple, ou pas capable de venir avec un visa touriste pour aller travailler. Même si c'est un seul jour, ou capable de faire une famille qui a une boutique, qui a un magasin, ou pas capable de travailler. Depuis que vous admettre, et il faut mettre en phase sur le mot admettre, parce qu'en pile dans le monde, vous ne connaissez pas, lorsque par exemple vous arrivez devant le bureau immigration, vous avez interviewé, vous prenez en pile dans le monde, vous paniquez, parfois vous pouvez admettre, même pas que vous n'êtes pas supposé admettre. C'est ça qui fait que l'important pour que vous ayez un avocat. Donc, si moun sa li te admet que li te travaille, automatiquement y a annulé visa a, et moun sa y a mette en déportation. Deuxième type de moun, c'est moun ka allé aux États-Unis ka la couché. Ça, c'est un gros problème. Parce que nous connaissons que parfois, en pile moun qui gen visa touriste, y a allé aux États-Unis à la couché. Maintenant, la loi très claire. Si par exemple, ou allé aux États-Unis ou enceinte, ou gon emergency, ça se comprend. Mais, l'on allé ou 8 mois enceinte, 7 mois enceinte, ou fait 2-3 mois, ou à l'hôpital, et puis, à cause que tout le monde s'est fait, qu'on y a, ou obligé d'utiliser, l'hôpital est obligé d'utiliser les fonds et les ressources et Medicaid.
Donc, le gouvernement américain prend une position. Il y a un pile de monde qui apprend bénéfice de provisions financières qui sont dans le pays. Et le monde, lorsque vous accouchez, l'hôpital, eh bien, il y a contact avec l'ambassade américaine et l'hôpital envoie lisse. Eh bien, moun sa yo, côté que moun sa, si accouchement de côté 20 000 dollars, il y a voué l'ambassade américaine et puis vous même là renouveler visa ou soit. Si par exemple, gen moun tout kap rentre avec ti moun américain et puis yo rentre et puis ti moun nan gen 4 médicaments, yo pa l'interview ou, ok, ou rentre avec un ti moun, son visa touriste ko gen. Mais ou un petit Américain qui a un visa qui a 4 Medicaid. Donc, moun sa ou tout, c'est un gros problème parce que le fait qu'on entre dans le pays, ou fait, si moun aux États-Unis, c'est un coup ou violer les conditions de visa. Et moun sa ou tout, il y a sujet à déportation, il a annulé visa et il a retourné au lacayo. Si moun sa ou, même si vous payez d'être là, il va renouveler visa pour vous? Bon, c'est ça. C'est un embarras que nous faisons, moi particulièrement comme avocat, nous faisons ça. Et si on a une situation pareille, eh bien, nous négocions directement avec l'hôpital. Par exemple, bill et bill capable 20 000 dollars, 30 000 dollars, ça dépend de si on a des complications, si son césarienne que l'été. Eh bien, nous faisons une entente amicable avec l'hôpital. Côté que, eh bien, nous faisons l'hôpital réduit paiement, il réduit bill. Et puis, qu'on y a, si que vous montrez que vous résoudre, eh bien, bill l'hôpital ça, donc là, il y a une possibilité pour continuer avec visa. Mais il faut dire que ces jours-ci, immigration extrêmement, extrêmement agressive. Maintenant, là, on a parlé pour visa, ou bien nous catégorie de monde qui a annulé visa, ou dans quelles circonstances, mais nous apprenons tout que vous annulez carte de résidence. Tout. Est-ce oui. Que, est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous confirmez ça? Oui, Wendell, et mes clients, et il faut me dire que moi-même, je rentre ici et très souvent, surtout, et très souvent, nous parlons de cabinet ici. Et il y a des gens qui ici, qui ont annulé le cadre de résidence. Qui est-ce qui est capable d'annuler le cadre de résidence? Premièrement, les gens qui font plus que 6 mois sous cadre de résidence. Là. Si que vous sont résidents aux États-Unis, eh bien, l'immigration attend que vous vivez aux États-Unis. Maintenant, il y a plein de monde qui a un cadre de résidence là, mais qui travaille ici en Haïti, des monde qui seulement rentrent et puis qui fait seulement et deux jours, trois jours, une semaine et puis ils rentrent. Donc, immigration a tracé moun sa yo, l'a gardé profil yo et c'est très clair que moun sa yo yo pas fait en pile temps aux États-Unis, il a travaillé ici en Haïti. Donc, nos conditions comme ça, qui sa immigration fait? Et puis, immigration m'a demandé pour capable changer volontairement que vous remettez le cadre de résidence là et que vous allez l'appliquer pour un visa américain. Caution, c'est parce que le problème qui est posé, c'est que, eh bien, pas de garantie si que vous remettez le cadre de résidence là, pas de garantie que le gouvernement américain, l'ambassade américaine, pourra avoir un visa touriste. Donc, vous suivez, vous voyez que vous plus vivez en Haïti alors qu'on a un cadre de résidence. Oui, je vous dis bien. Lors rentrée aux États-Unis, vous rentrez numéro alien number qui est censé de 9 chiffres et puis vous avez toute liste et bien tant qu'on rentre aux États-Unis. Et là, officiant, après, vous rentrez telle heure, voilà combien de jours vous êtes passé. Et de là, il est capable de faire une évaluation. Est-ce que ce sont des gens vraiment qui résident aux États-Unis, qui vivent aux États-Unis, ou soit ce sont des gens qui juste utilisent le cadre de résidence comme ça? Donc, si on détermine que les gens fait et un an ici, bon, les gens, lorsque ils arrivent, sont candidats pour révoquer le cadre de résidence. Très important. Fon dit que la loi dit qu'une fois qu'on a un cadre de résidence, eh bien, un officier immigration pas capable de retirer le cadre là comme ça. C'est devant un juge immigration pour aller, et c'est juste ça qui doit rendre en décision. Cependant, qui ça nous est, en pile dans mon yo, immigration qu'on demande que volontairement que moun sa li retourne quatre là. Parfois on dit moun nan ça que si là. Parfois grand pile moun qui pas comprendre, qui pas maîtriser anglais a, et peut-être par panique moun sa courir ici un papier. Si gon moun k'ap kote l'ma une condition comme ça ou capable eh bien demander que décision ça yo réévaluer pour que ça c'est parce que une fois que ou gagne en cadre de résidence c'est juste seulement qui pour révoquer. Donc sous nos situations comme ça ou rive aux États-Unis ou tendez que immigration y a officier bon panique mandé officier pour paraître devant juge c'est droit ça qu'on gagne.
Maintenant, si que volontairement, c'est eux-mêmes qui remettent carte de résidence là, ça, c'est leur problème. Mm-hmm. Et est-ce que monde qui, par exemple, nous a décidé de rentrer aux États-Unis pour faire deux, trois jours, parmi 1000 pays, bon, on va s'en parler, nous décider que c'est la moitié à faire vacances, à passer vacances. Mais est-ce que, pendant que dans la rue, est-ce que ça qui arrivé, officier d'immigration arrivé sous moi, il m'a donné un papier, et puis il dit qu'il a déporté. Est-ce qu'il y a une possibilité de ça? Bon, pas nécessairement dans Jean-Claude là, c'est une très belle question, bien content qu'on vienne avec lui, parce que c'est juste ça arrive en pile, et même les gens qui ont 4 de résidence, les gens qui sont citoyens américains, et semaine passée, c'était un jeune petit garçon qui est Francisco, qui est de Mexique, eh bien, immigration arrêtée, il fait 15 jours en prison comme citoyen américain, il est né aux États-Unis, il est né à Texas. Le problème qui pose, c'est qu'au moment que l'immigration était arrêtée, il n'y a pas aucun document qui prouvait que son citoyen américain. C'est ça qui fait que nous encourageons les gens pour que si vous avez un cadre de résidence, en plus, les gens qui ont un téléphone, ils font photo, 4 résidences là, ou marchent avec lui dans le téléphone aussi, ou son citoyen américain, ou font photo. Maintenant, pour les gens qui gagnent un visa touriste, ça nous suggère c'est que les gens, lorsque ils rentrent aux États-Unis, ils marchent avec INID 4. Et très important, longtemps, comme nous sommes dit, longtemps, l'immigration était comme INID 4. Ça veut dire que vous connaissez exactement le nombre de jours que l'immigration est là. 16 jours, si vous n'êtes pas là encore. Qui ça qu'on y a, ou supposé après qu'on rentre aux États-Unis, ou supposé aller online pour mettre information tant qu'au numéro passeport, nom, date de naissance, et c'est là ça qu'on y a, ou pour aller combien de temps que l'immigration, bah ou qui ont problème pour un petit grand monde parce qu'il n'y a pas trop bon dans le computer, donc son gros problème. En parlant de carte de résidence qui a annulé, le cas où détenteur carte ça, sont qui déjà à la retraite. Ça, c'est notre considération. Si les gens sont à la retraite, et les gens sont capables d'expliquer à l'immigration que, bon, ils sont retraités. Donc, ce n'est pas un monde vraiment qui est dans la force américaine, non. Donc, les gens sont capables d'expliquer à l'immigration que ce sont les gens qui sont retraités, ils font le va-et-vient, surtout pour un petit grand monde. Et qui tape aux États-Unis, mais qui est fatigué de la neige, qui est fatigué de température froide, là, ils rentrent en Haïti, nous trouvons que ça. Et alors, ça qui est très important, les gens ne sont pas supposés qu'ils étaient 6 mois barrés au dehors. Ça veut dire qu'ils viennent en Haïti, ou qu'ils font 4-5 mois, mais avant 6 mois à rentrer, c'est pour rentrer aux États-Unis. Au contraire, autrement, c'est en condition de violation. Très important, bon point que je veux souligner, ça peut arriver qu'un résident des États-Unis rentre en Haïti, il est malade. Maintenant, c'est le malade, ou soit il y a une famille, il y a un proche, maman, le papa, le mari, madame, qui est malade. Maintenant, il est obligé de rester en Haïti pour faire plus que 6 mois. Ça, c'est une exception de la loi. Qui ça pour faire, dans une circonstance pareille, c'est que Mounsa, ou pour aller rentrer aux États-Unis, ou venir avec un lettre médecin, si c'est eux-mêmes qui étaient malades, ou venir avec un lettre médecin qui documentait le fait que vous êtes malade, si son famille, ou venir avec un lettre médecin. Traduit en anglais qui montrait que raison qui fait qu'autorité aux autorités en Haïti en dehors des États-Unis c'est parce que eh bien ou qu'on famille qui était malade ça sont exceptions et là immigration pas supposé bah au problème. Là n'a pas les décisions ça il va l'absolu mandat trois plan si tu en retourner là pour second mandat ça va passer. C'est la grande peur et grand pile monde qui pensait il faut dire que si vous regardez l'histoire. Eh bien, depuis que l'économie américaine, eh bien, li a marché bien, en pile américain toujours réticent pour changer présidence. Et nous connaissons qu'en tête de liste dans le Parti démocrate, là, on a Joe Biden. Et Fondi, mardi, mercredi, il y a des débats qui sont très intéressants. Mais si Trump t'a réélu, il nous a dit que au niveau concernant la situation des migrants, ça a été extrêmement difficile pour en pile. Parce que Trump n'a pas. Sous du tout venir avec un plan pour légaliser statut moun qui censé pas gagner et un statut légal. C'est pas ça du tout. Au contraire, eh bien, objectif Trump, c'est déporter. Ça veut dire que, et Fon dit que même au niveau de l'ajustement de statut, ça veut dire que gen moun qui marie avec un citoyen américain. Et mari, madame, yo appliqué pour Mounsa. Donc Mounsa t'a supposé en mesure pour que Mounsa lui recevra 4 de résidence ici
aux États-Unis, mais nous voyons que grand pile bâton que Trump a metté dans le monde ça yo côté que eh bien il dit que par exemple pour mon CPS yo ou pas capable ajuster ou pas capable utiliser entrée parce que ce qui s'est passé tu as une loi qui est passée en 30 avril 2001 qui relève de Life Act LIFE. Loi ça dit que si que vous rentrez aux États-Unis sans consentement d'entrer de façon illégale, eh bien ou pas capable de résider aux États-Unis ou obligé retourner en Haïti. Maintenant, lorsque vous retournez en Haïti, ça va dépendre du nombre de temps que vous avez fait illégal à vivre aux États-Unis. L'ambassade américaine prend la proposition, le fait que vous vivez de façon irrégulière, ou tu vives eh bien et en défiance de la loi, même les que moun sa li gon mari, yon madame qui a appliqué pour lui, eh bien yo pap approuvé visa de résidence là. Si par exemple ou tu fait plus que 6 mois ou moins à vivre illégal aux États-Unis, même les gon moun qui a appliqué pour gon mari, madame qui a appliqué pour vous, ou gon pénalité de 3 ans. Ça veut dire que et ou doit rester 3 ans en Haïti. Si que ou te fait plus que 6 mois à vivre de façon irrégulière aux États-Unis, pénalité à ses 10 ans. Ça veut dire que c'est ça qui fait que en pile monde pas vle bien que gon mari madame qui appliqué pour yo, et bien monde ça pas vle venir en Haïti à cause de son relé unlawful presence. Ça veut dire que monde là, il t'a vivre de façon irrégulière aux États-Unis et l'elle rentrer ici même les que ambassade américaine a voué rendez-vous ba mon dit pour rentrer en Haïti. Comment ça rentre en Haïti qu'on y a au moins sous fait 6 mois, sous fait 6 mois ou moins à vivre ou a fait 3 ans en Haïti à attendre visa résidence. Sous fait plus que 6 mois ou a fait 10 ans aux en Haïti à attendre à moins que ou capable faire sans régler un waiver qui c'est aussi très difficile à être approuvé. Nous prenons pause là. Et l'un tout d'un, nous parlons ici mieux comprendre la question. Par exemple, nous avons parlé de différentes raisons. Par exemple, hors l'exécutif Donald Trump, là, nous avons tourné sur. Et puis, ça qui est arrivé, nous prenons quelques réactions d'Haïtiens qui actuellement aux États-Unis. Alors, d'après moi, qu'on est tout, d'après moi, ouais, avec ou peut-être un peu plus dans l'un tout d'un, est-ce que la situation est pareille dans tous les États américains? Évidemment, quand il y a plus migrants, yo, est-ce que les mêmes gens, par exemple, ça Haïtien qui est en Floride à vivre aujourd'hui, est-ce que c'est pareil pour Haïtien, par exemple, qui est dans New York, qui est dans Boston, qui est Pennsylvanie, qui dans tout l'autre côté, yo, est-ce que c'est le même bagaille? Est-ce que tout le côté est paniqué? Est-ce que tout le côté est peur? Maintenant, pour ça, on tourne après posant. C'est bien. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Maître Ariel Eugène est notre invité ce matin. Avant la pause, je rappelle que vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook Métropole Haïti. Merci de l'intérêt. À tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. MSC Trading, c'est plus pour moins. Le lait encore. Avec le lait en poudre encore, faites-vous plaisir encore et encore. Et la BNC. Le plan épargne BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Merci, madame, monsieur, de l'intérêt. Merci de votre patience également. C'est la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Je rappelle que vous pouvez nous regarder en direct sur notre page, à travers notre page Facebook Métropole Haïti. Et notre invité ce matin, c'est Maître Ariel Eugène, qui est de nous comprendre déjà en pile point et d'ombre, qui répond à en pile questions et même préoccupations que des Haïtiens ont exprimé, que ce soit Haïtiens qui en Haïti ou bien ça qui à l'étranger. N'a pas parlé de Haïtiens qui en situation irrégulière, Haïtiens qui peuvent pour eux pas seulement rencontrer avec immigration et eux arrêter eux et puis voyer tourner. Bon, nous essayons de comprendre explication eux. Et nous parlons tout de jour dimanche que l'échéance n'a pas expiré. Et côté que nous apprendre que grand pile haïtien qui était retenu dans la caillou pas sorti, ça s'est fait surtout en Floride. Et c'est là qu'on y est, même. C'est en Floride qu'on y est. Oui, et Wendell, et cabinet principalement en Floride, mais il faut dire que
eh bien, nous pratiquer dans tout État aux États-Unis. Par exemple, moi, je fais cas immigration New York et New Jersey, Texas, Californie, et presque tout dans tout État, même inclus Porto Rico. Mm-hmm. Nous voyageons en pile et nous faisons en pile cas. Nous faisons cas dans tout État aux États-Unis. Ça veut dire, quel que soit côté mon nom hier, et lié impacté par la loi immigration, nous sommes capables de faire ça. Mm-hmm. Et si vous pouvez permettre, moi, je suis capable de faire une petite illumination sur les affaires de TPS. Là. Mm-hmm. Nous connaissons que lorsque le président Trump, eh bien, nous connaissons que le a annoncé que TPS, là, il voulait finir avec ça. Et faut nous dire tout, et si je suis capable de passer sur ça rapidement, nous voyons comment que Trump montrait que son monde qui sympathie, qui gagne sympathie pour la situation des Vénézuéliens. Nous voyons comment le peuple vénézuélien a souffert en pile. Mm-hmm. Et faut nous dire, même dans une situation comme ça, donc, pareil. Là, c'est l'aspect politique, question. C'est l'aspect politique. C'est mm-hmm. d'un côté. Il y a demandé pour Maduro quitter le pays, hein? Ouais. Et grand pile vénézuélien qui vivent dans des conditions vraiment irrégulières aux États-Unis. Et Fonda va dire, la loi TPS, c'est pour type de situation, ça. Mm. Loi garder situation Venezuela, c'est pour une situation qui ne peut pas résoudre qu'on y a. Surtout maintenant, vous avez les Russes au Venezuela. Mm. Donc, où t'as pensé que... Les Chinois aussi. Les Chinois. Et où t'as pensé que, eh bien, Moon Trumpio, t'as va sympathiser, nous voyons comment que vice-président, t'as allé Colombie, Cucuta, et Marco Rubio, pour mettre full support derrière, eh bien, et Juan Guaido, qui c'est ce président, c'est qui dit que le président qu'on y a. Mm-hmm. Pourtant, Marco Rubio fait demander tout une prolongation pour TPS. Oui, mais je retourne. Pourtant, président Trump, li rejeté requête, li rejeté appel pour bail vénézuélien TPS. Nous connaissons que Chambre des députés, hein, Congrès a pris en vacances, et il y a plusieurs sénateurs qui viennent avec des projets de loi même. Et jeudi passé, ils ont voté contre proposition ça. Mm. Ça veut dire que même les Vénézuéliens, et nous connaissons que les Vénézuéliens, ils sont partout à travers le monde, et au Brésil, en Colombie, Pérou, tout côté, et dans une situation comme ça, ils ont refusé par mon TPS. Concernant TPS pour Haïtiens, TPS pour Haïtiens, il finit, il termine effectivement 22 juillet 2019. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes à 29 juillet. Qui ça qui fait que l'immigration n'a pas déporté mon Sao? Il faut nous dire que l'immigration est un processus. Là. Parce que quand il y a, par exemple, mon cal dans la supervision, qui gagne TPS, immigration mande moun sa yo pour porter passeport yo. Mm-hmm. Et passeport sa que yo pote, hein, c'est pas résidence et pas visa de résidence pour le mettre dans yo, c'est préparer, à préparer pour que moun sa yo, une fois que go décision qui descend, pour yo tout déporter en Haïti parce que yo besoin passeport moun sa yo pour déporter, pas juste déporter comme ça. Mm-hmm. Maintenant, Fon dit que c'est pas la bonne grâce de l'administration Trump qui fait que TPS n'a prolongé. Lorsque le président Trump a annoncé que 22 juillet 2019, si pas un TPS encore pour Haïtien, il y a deux cas qui étaient en justice, qui étaient traduits à l'administration Trump en tribunal. Mm-hmm. Maintenant, il y a un cas New York, il y a un et Californie. Ça, Californie, c'est devant un juge, le juge Chen, C-H-E-N, et juste ça, il était trouvé que décision Trump pour terminer TPS pour Haïtien, son décision qui motivée eh bien par des éléments qui totalement discriminatoires, d'autant plus nous songeons comment que Trump t'a dit Haïti que son trou de merde, donc juste ça les mêmes force judiciaire les bloquer. Mm-hmm. Eh bien Trump, ça veut dire que qu'on y a perdu devant tribunal ça. Trump qu'on y a mettait Kassa en appel. Donc, le fait que Haïtien yo, après 22 juillet 2019, continuer à vivre aux États-Unis et au pas déporté yo, c'est décision, eh bien, qu'il y a peut-être un coup d'appel. Donc, automatiquement, que tu as une décision, si décision ça a renversé, décision juste tienne qu'il te prend Californien, en pile dans Haïtien ça a qu'on y a après que yo déporté yo. Mm-hmm. Et c'est ça qui fait que, en pile Haïtien qu'on y a à vivre, et avec une psychose de peur, en pile panique, parce que vraiment, l'immigration a arrêté de tous côtés. Il y a les stations bus, il y a les stations train, mm-hmm. et il y a ça, c'est des bagages pour vérifier vous-même. Oh oui, mm-hmm. j'ai des clients qui sont victimes. Okay. Ça veut dire que et ces bagages, moi, je connais. Témoin avec John Fitzgerald Résignac, qui est même du côté de Spring Valley, dans New York. John, est-ce que vous recevez, John? Très bien.
OK. Ou suivre des bio ou gagne en pile monde qui attend des mecs qui suivent le point là à travers Easy FM dans Spring Valley. Dans Spring Valley. Oui, Wendell, tout le monde attend là ici là parce que nous toujours les métropoles toutes les émissions et émissions nouvelles Lyon. Et m'a parlé là qui parler là, m'a salué nous d'accord, m'a salué les auditeurs de Radio Métropole, m'a salué Wendell et puis on a salué mettre là tout Ariol et Jeanne qui a fait un très 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 bel travail que m'apprécie. Et ça c'est que mon yo tout yo bien édifié tout à travers et ça monsieur a parlé là à moi même moi édifié tout parce que monsieur parlait plus de technicalité et dossier yo mais il pas tellement englobé et point et l'autre point et m'a dit noir yo. Donc, je ne sais pas exactement sous quelle question vous voulez moi aborder. Non, bien la première bagarre comme d'après moi avec vous, on voit le fait qu'on est là. On vit New York et nous connaissons que il y a un pile, selon l'information, il y a un cœur sauté là quand il y a un pile haïtien. Et bon côté pour la comment ça y est. Est-ce que vous vivez des arrestations qui sont faites dans New York? Est-ce que vous vivez des mondes que l'immigration. Entrer dans l'espace qui gagne des immigrants et qui ont procédé à l'arrestation et qui ont déporté. Est-ce que vous vivez ça au même côté pas? Ok. Je vais faire cette comparaison avant de répondre. Nous. Et le Hitler a fait ça, il a utilisé l'émotion pour te faire génocide. Il en est de même bon, ici, pour la CAI. Haïti, Duvalier, tout est utilisé émotion pour le faire ça. C'est un grand leader, ce sont des grands leaders, même si ça vous fait apparaître négatif. Et c'est ça, et tout va essayer de faire utiliser émotion, passe les. Et d'abord, tout récemment, là, je me suis dit que mon yo ici a méchant. Et si vous suivez bien, si vous suivez bagaille bien, et si vous comparez les États-Unis avec l'autre pays côté gain immigrants haïtiens, et États-Unis, c'est pays qui plus soft, là, c'est qui plus considéré qu'immigrant. Je ne sais pas si c'est le fait que ce pays d'immigrants lié, mais même si il paraît dur, tant que Jean, administration de son plan paraît là, mais l'on a regardé dans la pratique, si Saint-Domingue dit l'a déporté au niveau d'Haïtien, Saint-Domingue l'a déporté. 90% d'argent. Si Chili, ou Chili pour 3 mois, si 3 mois arrivent, en parfait, Chili a déporté tout le monde qui porte en plein. Et la France, même genre, le Canada, même genre. États-Unis, considéré comme un pays tolérant. Mais très tolérant, m'a demandé tout récemment, la lettre de mentionner, est-ce que c'est clair, qui aurait pitié pour les immigrants, ou sentir ça. Parce que là, on prend par exemple le cas du BS là, son mesure temporaire, ça veut dire n'importe quoi, même Jean et Obama étaient considérés car les bagarres étaient passées en Haïti. Eh bien, aux mesures temporaires, ils ont décidé d'appeler des gens, c'est une faveur. Et puis, ça lui-même lui paraît, il a dit, c'est temporaire, ça, mes amis, raison de fait, nous il n'y a pas existé encore, et c'est ça, il a dit, il était qu'à détruire carrément. Pour ne pas trop long, pour me retenir dans la question posée maintenant, pour moi ici, jusqu'à présent, quand je m'a parlé voilà, à Wendell, je n'ai jamais senti rien. Il se trouve que mon temps là, il a accouché aux souris. Je n'ai jamais senti comme si persécution en tant que telle. Et après, par exemple, New York. New York, côté magistrat New York là, d'où son ville sanctuaire, côté que lui-même, il n'a pas collaboré avec les agents de l'immigration mon Haïti. OK, mais mon temps, il y a pouvoir, il y a même une juridiction. Côté ça, donc il y a un droit agir sans collaboration et la police et le pouvoir. Non, mais est-ce que pas varier, John, est-ce que pas varier d'un État à un autre? Parce que maintenant, mettre Eugène se dit tout à l'heure que lui-même, il y a des clients qui sont victimes. Bon, ou même quand on travaille dans le domaine dans tout, parce qu'on connaît que qu'on accompagne des Haïtiens qui ont besoin de faire papier, ben, ça, on connaît qu'on travaille dans le domaine ça tout. Mais est-ce qu'il n'est pas capable de varier d'un État à un autre? Il y a un problème psychologique. C'est à ce niveau qu'il va varier. Il va dire ça que dans l'esprit, où, bien souvent, vous pensez son réalité liée, ou que ça, mon Dieu, oui, mais oui, il y a des gens qui subissent, il y a des gens qui subissent. Bon, par exemple, TPS, ça c'est officiellement
yo mettre là sur parler là qui fait à partir de une instruction préliminaire il dit OK nous n'a pas yo un petit temps n'a pas yo 6 mois jusqu'à janvier 2020 OK ben OK si par exemple yo injonction préliminaire ça même là injonction définitive va pour arriver qu'on y a là là par exemple 22 juillet arrivé il t'a supposé fini automatiquement. Par exemple, un monde qui a une licence, qui a une licence ou expiré. Mais la licence ou a expiré, si mon yo te persécuté vraiment, si mon yo te besoin de faire mon yo mal, automatiquement, ça a arrivé, même là, il n'y a pas de déporté, mais une série de considérations, il n'y a pas de déporté du côté. Il y a des clients qui allaient dans le moteur véhicule, ils allaient avec un printemps et papier que si, ils allaient jusqu'à telle date. Pour il y a une décision après décision définitive là sorti qu'on y a là mon aller il y a renouvelé licence jusqu'à 23 jusqu'à 2023 mais automatiquement date l'arrivée date yo ba yo et ti avantage ça qui c'est 6 mois mais yo tout mettre dans licence là tout depuis rive dans date ça décision à prendre que côté que yo pas considéré caillou du tout encore automatiquement il y a aucun problème il a commencé par persécuter aux gens moun yo pensel là okay. moi camper en pile moi camper en pile sur point aspect psychologique là aspect émotion et autres te permettre que me quitter invité maintenant qui dans la place on mot sur ça et qui c'est peut-être Ariel Eugène pour qu'on raccrocher pour ou avoir une possibilité font deuxième intervention et mettre Ariel Wendell, moi saluer et John Fitzgerald Résignat. John Fitzgerald et moi féliciter pour le travail que l'a fait New Jersey. Mais je dirais Spring Valley. Et ben moi je dirais plus c'est plus et c'est pas surtout au niveau psychologique, c'est une réalité. Son réalité que lié et c'est pas psychose, c'est pas on peut que nous pas paniquer monde, son réalité. Moi je suis au tribunal presque chaque jour au niveau d'immigration. Moi en prison yo et mwel et fond dit que et ça a documenté dans les médias soit sur et journal Wall Street ou sur Miami Herald ou sur New York Times ou well vraiment Trump gagne yon équipe ça c'est ramasser moun voye yo retourner ça veut dire que psychose de peur au niveau psychologique oui moun yo capable mais son réalité c'est tellement que en pile état aux États-Unis qu'on y a ou gagné eh bien des centres religieux qui eh bien a établi des sanctuaires ça veut dire que en pile nan moun yo qui rete la kayo mais qui connaît pas gen l'autre côté pour y aller en pile l'église ouvre porte ba yo l'église yo invite yo vinn rete eh bien nan l'église là jusqu'à ce que situation ça capable censé eh bien et trouvons solution. Donc c'est pas seulement au niveau son réalité grand pile monde vraiment que eh bien immigration est très très agressif ces jours-ci. John et invité à exprimer mon désaccord par rapport à côté psychologique là. Donner parle permettre que lui-même il parle de réalité. Donc réalité que la vie et le que le tribunal chaque jour et l'a traité casse. Donc Donald Trump a ramassé moun effectivement a fait ramasser moun et dans quelques états peut-être c'est pas laurier ou même et John Fitzgerald. Oui Wendell, moi je comprends Jean concevoir les choses et oui c'est tout à fait normal même il doit avoir appréhension par lui moi-même je dois pas et ouais je dois pas vivre même genre et comme pour être franc avec vous pas vivre même genre pas connaître même psychologie ça parce que moi toujours un côté positif pas aimer garder non mais ça pas enlever ça pas obliger passer casser feuille couvrir ça ni pas dit vérité en net j'en lié pendant qu'on voulait ouais le côté positif de la chose John. Là avec un cas asile et asile là lui-même qui paye un pile problème t'as vu j'ai expliqué lui dernièrement là mon yo fait très 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 mal et puis là je parle devant avec moi hein, ouais que
arrêt, monsieur. Après ça, pour envoyer l'arrêt pour le masque brani. Combien ça me dit, monsieur, mon cher, conseille-moi Raoult, pas dépenser l'argent. Parce que mon pas un compte pour le dépenser vraiment. Pas dépenser l'argent dans le cas. Juste, déjà, vous retirez pas. Si vous avez sauvé, allez, parce que quand on est dans le pays, là, Wendel, il y a tout contrôle. Là, on a besoin de prendre. Il y a marché de prendre. Pas qu'à courir pour l'immigration. Qu'est-ce que ça coûte où il y a? Comment on y a un peur, il n'y a pas le travail, il n'y a pas l'église, il n'y a pas sorti presque. À cause de pression, quand ils sont pression, et sur le pouvoir, à la fin, parce que l'élection est pour arriver, l'élection finit arriver, on parle comprendre, disons, on connaît alors, on va comprendre, non? Parce que vous pensez que vous avez protégé mon Dieu pour me faire sentir que vous dans l'air. Essayez la précaution. Non, vous êtes toujours dit, mieux. Précaution, soit décider de sauver le Canada. Car si c'est seulement un sac gain, vous pouvez sauver nos possibilités pour venir au monde, ou faire affaire avec, ou retirer corps dans la situation d'illégalité. Ça, dégagez-vous. Nous toujours par le conseil, et nous toujours à protéger, nous toujours à aider. Ok. John, prépare pour répondre à une question. C'est la Cour suprême qui autorisait Donald Trump prendre l'argent pour construire mur là. Quelle réponse ça pour moi, mais Maître Eugène voulait placer un mot sur la source au diant là. Maître Eugène? Oui, concernant la situation des Haïtiens au Canada, nous connaissons qu'un pile haïtien, eh bien, qui vivent aux États-Unis, lorsque vous étendez, Donald Trump a commencé à enforcer le loi, un pile dans vous est traversé au Canada. Maintenant, un pile haïtien, ça yo, ces jours-ci, un pile dans vous qu'on y a, vous déportez en Haïti. Pour ça, c'est parce que le Canada n'est pas aussi, nous connaissons que le Canada est un pays qui est extrêmement accueillant. Mais le Canada n'est pas aussi qu'on y a ces jours-ci dans le gouvernement ça. Et le Canada n'est pas aussi accueillant. Et gros problème, c'est que si par exemple, et c'est très très important, hein, si par exemple, vous avez fait un asile aux États-Unis, maintenant, si asile ça a été fait, vous avez juge immigration de Daniel, le Canada a accès à ces informations. Maintenant, lorsque vous allez au Canada, vous allez faire l'autre asile, le gouvernement canadien a accès à l'information. Et dans pile cas, le gouvernement canadien a dénié l'asile politique, il a déporté les gens en Haïti. Moi, particulièrement, j'ai plusieurs clients qui vivent à New York. Ils ont traversé les frontières, il y a le Canada, ils ont poursuivi l'asile politique. Ils n'ont pas connu que le gouvernement canadien a accès à information asile qui a été fait aux États-Unis, il y a changé l'histoire et le gouvernement canadien a trouvé que, eh bien, que l'histoire, c'est pas une histoire authentique, ou soit on a déjà appliqué déjà pour asile politique, on a retourné en Haïti. Et Fondi, parlant de ordre exécutif, et en venant... C'est l'exécutif ordre, c'est ça? Donc, son décret? Oui, son décret, c'est pas une loi qui passe au niveau du Congrès, donc son décret que Trump soutient avec lui. Et Fondi, c'est aussi grand pile qui vient, qui sortit dans l'immigration. Il y en a qui parle affecté à ici en pile. C'est surtout, et mardi passé, Trump vient avec un décret qui dit, si par exemple, vous quittez pays natif, ou côté que vous avez persécution, vous venez chercher asile aux États-Unis. Mais, dans le processus ça, vous passez par un autre pays avant qu'on rentre aux États-Unis. Par exemple, pour nos frères haïtiens, les gens qui passent Brésil, les gens qui passent Chili, Colombie, Mexique. Donc, le gouvernement américain a exigé Mounsayo pour que vous appliquiez pour asile politique dans le pays, premier pays côté qu'on passe. Et nous connaissons pile dans le pays, ça n'a pas d'asile politique. Par exemple, le Mexique, la République dominicaine. Et en venant ici, je suis passé devant le consulat dominicain, je suis regardé l'immune. Et nous n'avons pas comme ça parce que vous pensez que, eh bien, vous pral. Ils vont aller au Chili, ou soit ils vont aller au Brésil, et puis de là, ils vont aller traverser les frontières. Mais dans le passeport, ils vont aller rentrer au Brésil ou au Chili. Le gouvernement américain va dire ça que, est-ce que tu as appliqué le Brésil, est-ce que tu as appliqué le Chili, le fait que qu'on y a ou pas appliqué, eh bien, et nous ne sommes pas capables d'avoir asile aux États-Unis. Et faut nous dire que, par exemple, longtemps, ou pas besoin payer pour frais en application I-589 pour asile politique. Nous voyons que Konya Trump a venu avec une décision côté que il a exigé Mounio payer. C'est autant de bâtons que l'a mettait dans Mounio. Mais faut nous dire que par exemple, moi rentré juste avant que rentré, bien on juste San Francisco qui mettait Odsa en question. Ça veut dire que
et il dit Trump comme ça que ah non, nous pas le reviser Odza. Mais c'est le futur dans le sens que yon moun k'ap vini aux États-Unis, par exemple nous kan pile moun qui sorti en Haïti, kal Canada et puis qui vini, non, soit pas appliqué pour asile ou obligé de venir directement. Si vous passez dans l'autre pays, ou obligé d'appliquer pour asile politique dans l'autre pays avant que vous veniez aux États-Unis. Merci. Merci, maître. John, vous êtes là? Oui, bien oui. Où trouvez ça? Parce que je ne sais pas prendre plus de bagages. Ok. Et je pose une question tout à l'heure. Avant de la question. Allez-y. Seulement, okay. Font effort pour pas trop long. Ok, ok. Oui, parce que Canada, parce que lui fait, on penche sur Haïti, et parce que Mexique, il y a ajouté Mexique dans la liste de l'étude. Parce que non seulement Mexique, mais au Canada, Brésil, Chili, parce que lui mentionne, écoutez, que sous passé dans l'autre pays, sous persécuté, et Haïti ou passer dans l'autre pays ou obligé de filer l'asile. Et c'est le même problème, non? Parce que à quoi bilatéral ça entre les États-Unis et le Canada, et c'est dire bien sûr, ça veut dire si ou et aux États-Unis, ou pas qu'à dire, ou à bien chercher asile et Canada, et puis c'est bien ça. Donc, à partir de là, le conseil de détail, nous ne pouvons pas entrer là-dedans, yo, parce que là, toutefois, la valeur est mise en train de là pour voir avec mes deux jeunes, nous t'as qu'à monter. Et puis, parce que dans la première pile, bah, du lit. Et ça, c'est un peu facile. Mais pour les gens qui sont New York, Cali, Canada, on est en pile dans eux. En pile dans eux, parce que en pile, c'est une facilité la tâche. Raison qui fait, ils ont déporté quelques-uns d'entre eux. Parce que raison, ça, c'est là déjà, en fiatré avec problème criminel. Parce que les gens qui sont bon, c'est déjà un problème avec la justice. Tout automatiquement arrivé l'autre bois. Dossier est arrivé avant. Dossier est arrivé au Canada avant. C'est arrivé actuellement dans mon cas spécifique. Côté que les gens qui ont la loi, qui a fonctionné sur le système. Mais monsieur, depuis en mars, les autorités, ils ont été la gueule pour un certain temps. Et pratiquement sous caution, mais ils reprennent encore parce que dossier, monsieur, tellement laid, ils ont tout dit, monsieur, ça, dossier, monsieur, tellement laid aux États-Unis, ils ont dit, monsieur, comme nous, on est timon notre bois, ils ont dit, monsieur, on chance pour le faire deux, trois jours, ils ont l'école pour essayer de réorganiser le faire vivre dans l'autre monde. De tous côtés, ça, ils ont dit, nous, les États-Unis, Canada, nous, ils ont dit, ils n'ont pas où est-ce qu'ils vont aller dans l'enfer Haïti, ils ont dit, nous, c'est pour miser le découvrir Haïti. Haïti. Donc, il n'y a pas couru pimpel de que j'aime ou voulait faire quoi les Haïtiens arrivent au Canada. Canada, à partir de dossiers qu'ils recevront des États-Unis, la cour y voyait mon ça aller. On ne pas dit mettre là-bas et maintenant, non, mais j'aime ou n'y fait quoi, ni fait là, c'est pas comme ça du tout. Bon, eh bien, John, t'es moi merci. Ou pas que t'as dit moi un sous-mieux là, ou est-ce que ça sont faits liés ou bien sont psychologiques liés? Ok, ok. Pour l'histoire là, dès que t'as connu la privée, et il en est de même pour quelque chose qui a fait là, parce que, ok, décision qui prend, j'ai montré ce qui était prévu là, comment l'État organisé, il faut que le pouvoir arrête le pouvoir. Bon, ici, c'est check and balances. Donc, le pouvoir judiciaire là, c'est le pouvoir intermédiaire là, c'est lui pour calmer le jeu, c'est lui pour mettre de l'eau dans le système Mounio. Donc, le succès maintenant là, existé entre les deux grands pouvoirs, je vais parler de l'exécutif et du législatif. Quand ça, ça gagne, qui fait que nous pas 40 ans de nous, monsieur, ça a redécidé. Et c'est pas sans raison, monsieur républicain, il bataille, il pas voulu Obama arrête avec monsieur conservateur, il a dit que j'en vais mettre la parole là. Et puis, il y a eu un pouvoir, non, mais et ceci, quel que soit son, il a passé la journée aujourd'hui là, c'est là le bras abouti, qui glisse à ces murs-là, c'est ça le bras lié, c'est ça l'a toujours au bénéfice de l'administration, parce que c'est républicain, il y a Ok, avant qu'ils aient allé, on connaît que pile haïtien qui a voté pour Trump. Ou t'as pris maintenant place haïtien ça. Maman nous pour qu'elle soit votée non, mais maman nous sous républicain non plus. Mais on connaît que pile haïtien qui a voté Donald Trump. Ah oui, mais non, on est d'accord avec moi, quelqu'un qui fait campagne ensemble avec Trump, quelqu'un qui supporte Donald Trump. Oui, c'est démocratie, c'est ça. Démocratie, c'est auquel libre choix. Donc, vous n'avez pas de droit républicain.
ou bien pas républicain tout, il vote Donald Trump. Même pas, ouais, il n'y a rien qui est mal dans ça que on nous vote Donald Trump. Parce que ça, qu'en fait, là, et Wendell, l'idée qu'on a toujours faite, quelle que soit l'administration, qui préfère Obama, qui s'est baillé, c'est un petit peu ça, il y a toujours qu'on dépote Moon, bien que Obama était capable de prendre décision, ça, que Trump prend, mais il y a toujours qu'on dépote Moon, et il y a toujours dépote Moon. Et quelle que soit les démocrates ou les journées, je veux dire, là, qui a pris en contre bien les décisions de l'actuelle administration, il y a même là, il y a eu un pouvoir, il n'y a pas de monde qui répète Trump, oui. Je comprends. John, merci en pile, et puis passons une bonne semaine, je suis content de parler avec vous. Et merci pour l'intervention qu'on fait dans le point matin. Hein? Et nous avons toujours été en contact. Et puis, je salue tout le monde dans New York, Spring Valley, qui a suivi l'intervention à travers Easy FM. Merci encore une fois. Avec plaisir, je salue maintenant, je vous remercie. Il y a un très bon travail, je vous remercie. Parce que je vous remercie depuis le commencement, très très bon travail. Je vous remercie d'aller les plus hauts, je vous remercie. Merci, merci beaucoup. À la prochaine. Allez. Bonne journée. Mais on a pile de mise au point pour l'affaire, mais malheureusement, on a quelques questions pour me poser autour, mais nous n'avons pas bien temps de faire ça parce que l'arrivée est sur moi déjà. Et est-ce que vous voulez faire une réaction bien courte sur ça et sur les dernières paroles, John? Bon, et Wendell, il y en a pas comme ça, mais puisque pendant la pause, on dit que grand pile de monde qui t'a relé, qui t'a demandé le numéro de téléphone, moi. Et pour les gens qui ont un problème, ils sont capables de relé, mettre Jeanne, cabinet, nous, c'est Miami, mais c'est pas dans nous, aller de tous côtés. Et le numéro de téléphone cabinet, c'est 305-759-6428. 305-759-6428. Vous êtes capable de trouver tout sur email. C'est Ariol, A-R-I-O-L, tiré en bas. Et puis Eugène, E-U-G-E-N-E, @yahoo.com. Vous êtes capable de vous poser une question. Et nous ne pouvons pas débattre toutes, mais vous êtes capable de vous poser une question. Et téléphone encore 305-759-6428. Rapidement, et petite mise au point, il faut dire que concernant la loi TPS, là. Et loi TPS exige gouvernement américain. Lorsque vous finissez par TPS, eh bien, le secrétaire Homeland Security, il a gagné une responsabilité pour venir dans le pays qui te recevait TPS là, pour assurer que les conditions qui te rendent nécessaires pour que le gouvernement américain bâille TPS, là, que les conditions ça n'ont pas existé encore. Et c'est un facteur que le juge Chen a utilisé dans la décision que le dépôt en Californie, parce que nous songeons que John Kelly, qui était censé être secrétaire Homeland Security, était venu en Haïti, venu rencontrer avec le président Jovenel et beaucoup plus ensemble avec députés. Ce n'est pas comme ça qu'il était venu, c'est la loi qui était demandé qu'il vienne. Or, si on regarde en Haïti, je pense que c'est un argument que nous sommes capables de présenter. Jusqu'à présent, oui, il y a un très bon moment de temps passé, ça fait un peu de temps, mais jusqu'à présent, Haïti est un pays instable. Mm-hmm. On a regardé les événements derniers, depuis l'année passée, 6-7 juillet, jusqu'à présent. On fait tout mois janvier, février, jusqu'à présent, on n'a pas encore un gouvernement. Le président est nommé en premier ministre, ministre Lapin, ça a échoué. Mm-hmm. Il vient avec un autre Konya et il y a des grosses questions. Est-ce que vraiment, avec député qui pourra aller et terme expire en septembre, est-ce que vraiment il y a bien temps, eh bien, voter en premier ministre? On ne connaît que 100 un premier ministre sans un gouvernement, eh bien, grand pile accord, grand pile bagaille que le gouvernement n'est pas capable de faire sans un parlement. Donc, c'est un gros problème que lié. Ok, si Marion américain, Timoun Yotou, maman haïtienne, est-ce que vous êtes capable d'annuler visa? Si. C'est une question auditeur. Oui, bon, comment si vous? Papa américain et Timoun Yotou américain, maman haïtienne, est-ce que visa a annulé? Oui, ça dépend des conditions. Le fait que maman c'est américain et Timon c'est américain, le fait que papa c'est américain, Timon c'est américain, ça n'a rien à voir avec statut de résidence. Et maman, moi j'ai des cas côté que Timon est américain et maman son monde qui ont simple visa, immigration prend position que l'a déporté maman et si maman voulait être capable d'aller avec Timounio, les Timounio ont 21 ans et appliqué pour maman, maman va retourner. Donc ça n'est pas un facteur du tout. Ces jours-ci, immigration, eh bien, il n'y a pas aucun problème. Je connais des cas spécifiques. Okay. De ça, on dit côté que y a révoqué et statut de visa touriste de maman. Nous avons abordé la question ça dans le commencement de l'interview. Quand on dit que les gens qui ont proche qui ont accouché, li paye tout bill yo, malgré li prouve ça, yo pas renouvelé visa. Qu'est-ce que ça pour le faire?
Ah, très possible. Pour qui ça, c'est parce que longtemps, on dit, son l'autre pays, on dit ça, Wendell, sous Obama, et il y a plus ou moins et différents. Mais on a vivre dans l'autre pays. Et ça remonte encore dans ce que je dis, c'est que ça va dépendre de qui le monde a été accouché aux États-Unis. Donc, si par exemple, Mounza, l'Italie, il a gardé un tête, ça veut dire intention. Si par exemple, vous allez 7 mois enceinte, 8 mois enceinte, ça veut dire que intention, c'était à accoucher aux États-Unis. Donc, il ne suffit pas que vous payez bill l'hôpital. Yo. Yo pas le garder dans intention. Combien de mois pour entrer là? Sept bon, mois? Cinq mois? On dit que par exemple, mon nan l'entrée, ok? Et puis, son problème au niveau de grossesse là, mon nan accouché. Par exemple, mon nan quand entré sous 7 mois, 8 mois, mais l'accouché, mais ça prend le dépendant là, et nous travaillons avec médecin, avec gynécologue là, qui fait accouchement. Ou supposé qu'on l'aide, non, deux docteurs qui disent que son cas d'accident. Mais si par exemple son couche normale qu'on fait, ou sorti ici 7 mois, 8 mois, ou fait 2 mois à suivre médecin aux États-Unis, ou font couche normale, donc ça montre que votre intention, lorsque vous allez aux États-Unis, c'est pour faire bébé. Donc, il n'y a pas garder le fait que seulement vous payez bilan, mais vous pouvez pénaliser parce que dans l'intention, pour acheter un ticket d'avion, c'est pas. Parce que lorsque vous avez un visa touriste, l'unique motif, c'est à le visiter. Ce n'est pas ni travail, ce n'est pas ni à la coucher, ce n'est pas faire quoi que ce soit, visiter seulement. Dès que vous faites notre bagage autre que vous violez la loi, et c'est aussi immigration, yap, annuler. C'est ça. Tu as couru dans son SOS là, pour EDH, dans Delma 75, aussi, il y a un poteau qui est en feu. Donc, SOS à l'EDH, Delma 75, un poteau courant qui a fait du feu. Écoutez là. Mais rapidement, bon petit réponse rapide, besoin et faire quelque chose de plaisir, mais il faut me finir tout. Si un monde dans un processus d'asile, à qui document pour le marcher sous l'île dans la rue, dans la rue? L'autre question, si un monde a un visa touriste qui est en vacances aux États-Unis, est-ce que c'est pour le faire copie passeport avec visa pour le marcher dans la rue? Oui, très bien. Si par exemple, Mounza, n'a pas une première question, si par exemple, Mounza, il y a un processus d'asile, une fois que vous voyez l'application I-589, là, et Fon dit Mounza, qu'il y a un an pour le faire ça. Lorsque vous rentrez aux États-Unis, vous avez un processus d'asile, et Fon dit que si c'est depuis l'aéroport, mandat d'asile, l'immigration qu'on y a à Paris, il y a vous en prison, et vous pouvez obliger qu'on fait asile là, pendant en prison, qui n'est pas une bonne idée du tout. Mais cependant, si que Mounsa a rentré, soit asile que le gain, une fois que le voyez application I-589 flan mix Mesquite, Texas, eh bien, immigration pour le voyer ont reçu Bali, qui dit que les recevoir asile ça. Donc, Mounsa a connu, et puis là, il y a un e-number, avait dit que là, il y a un numéro. Donc, Mounsa doit marcher ou soit faire copie de documents ça. Tout autant que asile ça li pending, ça veut dire que pourquoi qu'on décision immigration pas capable déporter moun sa, pas capable prendre aucune décision qui censé qui pas affecter moun négativement. Deuxième question, et si vous voulez me rappeler encore question, c'est si moun li moi jeton coup d'œil rapidement pour si moun li non si moun gen visa touriste li en vacances aux États-Unis. Est-ce que c'est pour faire copie passeport avec visa pour le marcher dans la rue? Oui, et il n'est pas obligé de faire copie. Par exemple, avec téléphone, il est capable juste de faire une photo. Mais ça qui est beaucoup plus important, c'est I-94. Comme nous expliqué au commencement, et où dès qu'on a un petit carte blanche qui dit exactement jusqu'à ce que l'immigration autorise à arrêter aux États-Unis. C'est juste si on n'a pas fait ça du tout, bah, c'est électronique que vous. Donc, une fois que Mounsa a rentré dans le pays, Mounsa a supposé aller online. Et puis, quand il a mettre numéro passeport, il prend sur website immigration, il mettre numéro passeport, date de naissance li, et nom de famille, prénom, et puis là, il a imprimé I-94. Et ça, c'est lui-même qui monte jusqu'à ce que le Mounsa, et bien, il gagne pour le rester. Très important, si Mounsa a son monde qui, par exemple, rentre Miami, et puis là, New York, là, la visite aux États-Unis, il faut Mounsa faire très attention parce qu'il faut capable monter pour ou gagne les fonds nécessaires. Ce n'est pas un monde qui a supporté, ce n'est pas travail. Il faut montrer qu'on a les fonds nécessaires pour que vous supportez tout. Parce que si vous n'êtes pas capable de démontrer ça, c'est un coup. Eh bien, c'est DASO, c'est travaux qui travaillent aux États-Unis qui sont un gros problème, qui sont conditions que montrer que vous êtes capable de révoquer
yo capable révoquer. Et Fanny Mounio, très important, Wendell, lorsque l'ambassade américaine ba ou un visa, ça va veut dire que visa ça a et son visa que immigration pas révoquer. Gen moun ki kon al pour un visa jodi an, semaine prochaine yo ba le visa, li rive devant officier immigration an, parce que l'arrivé devant officier immigration an, officier immigration a gagné eh bien et discrétion pour capable analyser est-ce que ça qu'on dit ou vient faire c'est le qu'on fait vraiment. Si on dit ou vient visiter ou pas un Singapour ou pas un quelque côté ou pas le rester, il est capable de révoquer et annuler visa. Donc c'est très important pour monde qui fait asile politique, très important. Gen moun kal devant ambassade américaine. Moun sa li peinturé en situation extrêmement rose devant ambassade américaine côté moun sa l'a travail et bien et li gagne yon income k'ap rentré et puis konn ya lè li rive aux États-Unis konn ya li font asile politique. Ça immigration fait konn ya yo voye chercher dossier qui était dans ambassade américaine nan. Et yo pral comparer le pour sa côté dit devant ambassade là est-ce que le matché ça qu'on fait ça qu'on dit dans application donc extrêmement important. Merci Maître Eugène. Alors en résumé n'a dit que situation quand même les préoccupante si effectivement d'avoir en pile haïtien ici il va avoir de graves conséquences sur l'économie non certainement monde qui là-bas qui rentre ici grande quantité copie de rentrer qui va pas rentrer encore quantité volume transfert pas baisser. Donc, nous pourrons changer le problème, si ça fait. Oui. Et je pense que, à moins que bon intervention, parce que le président Trump et même lui, c'est tête droite. Monsieur et Fom dit que, et contrairement à moi-même, moi diffère un petit peu, c'est le tribunal, c'est le département de justice, c'est l'appareil judiciaire qui empêchait que, si par exemple, le tribunal pas intervenir à partir de 22 juillet, en tout le monde qui est dans la situation, il a déporté. C'est le tribunal qui met. Alors, ça, c'est aux jeunes. Oui. Parce que peut-être que quelqu'un qui a parlé, qui a venu dans la radio, il dit que si l'immigration débarque là, on passe dehors. Oui, c'est très important, il faut une émission sur ça, parce que lorsque l'immigration débarque là, il doit frapper sous Portland, mais il faut que l'immigration ait un mandat. Et ou pas obligé d'ouvrir Portland. Ou qu'on demande l'immigration pour capable montrer un mandat. Et si quelqu'un qui est là, eh bien, si quelqu'un n'est pas là, ou pas obligé ou vous portant. Très important que ça ne relève aussi déportation collatérale. Par exemple, immigration qui doit aller chercher monsieur Jean Monséjour. L'elle rive la Kaila, li parle Jean Monséjour, li commence à demander tout le monde la Kaila qui moun courrier depuis qu'il a. Donc si par exemple il trouve par exemple ou son monde qui est entré ou fait plus que 6 mois, bien que initialement c'est pas où yo te vinn chercher immigration la pont li pour aller avec vous parce que ce sont des déportations collatérales. Et en pile dans cas ça au fait et c'est triste, mais son réalité et grand pile dans clients qui viennent dans le cabinet. Vous avez voté pour Trump? Ah! Bon, Wendell, je pense qu'on connaît assez bien et on connaît pour profil loin et bon, bah, mais il faut dire que Trump te promet un pile haïtien que tu as redoré le blason d'Haïti. Vous êtes d'accord tout qu'un pile haïtien t'a aidé à monter? Oui, surtout parce qu'un pile haïtien t'a pris position, c'était Hillary Clinton qui t'a fait qu'une guerre matéli, donc un pile haïtien t'a eu un problème ça. Donc en revanche, je t'ai voté pour Trump et il faut dire que Trump tout est venu dans Little Haiti, il t'a fait un pile promesse. Oui, il t'a dit que la champion. La champion est causée, mais nous, c'est juste le revers, puisque le dit que Haïti son pays de trou de merde, donc c'est très insultant. C'est dommage qu'on n'a pas eu une réaction forte de notre pays. Vous avez même eu ce bien en Haïti? Pas vraiment, ça fait pas vraiment une différence. Il n'est pas bienvenu? Je ne sais pas que la bienvenue, parce que Wendell, je m'explique, dollar américain, qu'on y a 94 good, ok? Et sous ma télé, il était 67 good, donc voilà l'écart. Donc, maintenant, lorsque le dollar l'a monté comme ça, ça réduit le pouvoir d'achat. Donc, imaginons tout le monde, et diaspora voyait 3 milliards de dollars américains. Ça, sous Obama, sous notre gouvernement, nous avons une aide américaine, nous songeons que ce département était toujours à supporter eh bien, économie haïtienne. Et si on a un problème que nous avons ces jours-ci,
très l'autre jour j'ai gagné un article que le président a écrit dans ma amiral qui montait que vraiment paysan son pays et pas qui cop dans paysan donc assiette fiscale yo donc qu'on a su que ou gagné haïtien qui était qu'on voyait l'argent dans paysan haïtien ça qu'on a yo refoulé qu'on a donc ça a un gros effet un gros impact sur l'économie haïtienne. Maître le jeune, c'est un plaisir pour me recevoir matin. Merci. Le plaisir est pour moi. Merci infiniment, passe une bonne journée, un bon séjour en Haïti, même si on fait pas et bien mais au gain pour retourner là-bas problème au niveau service. Oui, et Fandi, encore numéro de téléphone cabinet Maître Eugène, c'est 305 759 64 28. Et très prochainement, nous allons gagner un cabinet, et plus spécifiquement à Bois Patate, côté que nous allons recevoir, parce que nous avons pile client ici, monde que Mario a déporté, donc il y aurait les mêmes gérer dossier ça pour eux. Il y a capable de cabinet à 305 759 64 28, Ariol underscore, ou soit tiré en bas Eugène at yahoo.com, c'est email nous, ou capable de vous question. Wendell, encore une fois, merci. Un grand merci, c'est toujours un plaisir d'être avec vous quand je passe ici en Haïti. Merci encore une fois. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Maître Ariol Eugène était notre invité. On a eu une intervention de John Fitzgerald Résignac en direct de New York au cours de ce show matinal. Merci de l'accueil. Passez une excellente journée avec nous et à demain. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. MSC Trading, c'est plus pour moins. Le lait encore. Avec le lait en poudre encore, faites-vous plaisir encore et encore. Et la BNC. Le plan épargne BNC, une assurance pour votre famille et vos employés.